d'échanger avec elle. Marhaba. Il y aura aussi une session aujourd'hui sur un monsieur qui va venir nous parler de comment justement cultiver dans un pays aride comme Djibouti. Comment trouver de l'eau, les coins, parce que l'eau est très essentielle pour... Toujours des systèmes d'irrigation, parce que là, voilà. Donc il y a une session sur ça. Tu pourras aussi la suivre et voir, échanger avec... C'est ça l'idée aussi, de rencontrer des gens qui ont à peu près les mêmes... Pour vous compléter et apprendre plus sur votre projet, Inch'Allah. D'accord. Donc, tu avais une petite question? Bonjour. Bonjour. Merci de votre présentation. Moi, je dirais que j'ai la même opinion que vous, je vous dis à la terre fertile. La seule chose que je voulais rajouter, c'est prendre soin de la troisième environnement. Comme la forêt d'Idaï, avant, elle était remplie de... Vous savez, mais maintenant il y a aussi le complexe touristique, il y a pas mal de travaux en fait qui se passent à la forêt des Bains. Et puis aussi, on n'a pas beaucoup de gens qui ont appris l'agriculture, donc au moins d'essayer d'apprendre comment cultiver les produits. En fait, tout ça dépend de la volonté, parce que moi, voilà. J'ai pas fait des études d'agronomie, tu vois, je vais me lancer et voilà, il suffit juste d'apprendre, tu vois. Donc, et pratiquer, prendre d'abord, en fait, être en contact avec des gens qui savent vraiment, qui ont fait des études de sol. Et le système d'irrigation, parce que justement, il y a des pays qui sont très très arides, comme à Djibouti, mais ils cultivent. Donc, tout dépend de la volonté, en fait. On est partant. Et ceux qui sont partants, en fait, c'est le bienvenu, parce que je suis là.